C'est parti pour cette randonnée de 10 km, chemin des muletiers, sentier des chèvres, et avec un dénivelé de 500 direction le Puy de Dôme. Alors la première partie est très ardue normalement. Col de Cessa, 1078 mètres. Alors c'est pas la convoi GR4, GR441. Oh, ça, il y a des indications dans tous les sens, mais c'est par là. Alors le tour du Puy de Dôme, 3h 9 km de l'eau potable. Bon, je sais pas si ça fonctionne. Et chemin des muletiers, sommet du Puy de Dôme. Alors en fait, j'ai laissé passer une troupe d'élèves, il y avait au moins trois classes, et des sixièmes, alors, mais bon, pour l'instant ils vont vite, mais c'est surtout c'est le bruit. Donc j'ai attendu qu'ils passent, et bon, de toute façon je ne vais pas essayer de les rattraper, ça sert à rien. Ah, virage numéro 5. Forêt. Virage 9. Virage 11. Ça grimpe. Oui.
virage 12. Ouais, c'est pas insurmontable. On va voir si on fait pas mal de pauses. Parce que le terrain est super praticable. Ah ouais. Alors, on est au niveau du virage 13. C'est super beau. Et puis, ici, aussi, mon dehors. Bah, ça va. J'ai un peu d'avance sur la troupe d'élèves. Oh, purée. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Ah, c'est pas du progressif, ça. La pente est multipliée par deux, là. Virage à 13, un peu au-dessus. Elle est super belle cette forêt. Hein. Ouais, elle est au-dessus, enfin en dessous il y a les volcans. Les volcans d'Auvergne. Virage 14, borne 2. On est juste au niveau des marches avant d'arriver au puits. Ah, zut. Une tradition clermontoise. Montée des escaliers. Ouais, ouais, c'est vrai que si on y va doucement, étant donné que le terrain est super praticable, ça va quoi.
Ah, le blanc, c'est juste là, et ça se traite du sol, ça fout la poésie. La Muriel, c'est la peau. Non, c'est cool. Attends, on va débuter, notre pièce est débutée. Moi, pas des bises, mais on est bien. Ah oui, en fait, on est juste en dessous du petit train.
c'est plus tranquille quand il n'y a pas les gosses qui braillent, parce qu'il y a une troupe de gosses, purée. Ça arrive en même temps que moi. Oh là 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 là. Non mais je pense qu'il faudrait apprendre ce que c'est la nature et puis respecter un peu le silence. Quoi. Bon, alors ils peuvent parler, hein, ça, on les empêche pas, mais. Ouais, si avec les enfants, ça c'est sûr.
Bon, apparemment, il faut suivre la voie goudronnée pour rejoindre. Ça doit être le sentier des chèvres. On peut y aller en petite foulée ici. Ouais, c'est super beau, hein. Voilà, il y a des petites passerelles. Oh, c'est super beau. C'est super joli. Regardez-moi ça.
sais pas où derrière, c'est puis des goules. Si j'ai bien lu le plan rapidement. Et je me demande enfin, par contre si c'est pas des moutons qu'on avait vus. Après c'est peut-être pas pour rien que ça s'appelle le sentier des chèvres. Ah bah j'étais passé là hier justement à la fontaine et puis à la maison du berger. La fontaine. Hop, la maison du berger. Bon, de toute façon on va pas prendre le même chemin. Alors en fait, j'emprunte le même chemin qu'hier, mais après on va bifurquer, je suppose. Ah, c'est super joli. Et la fontaine, là, est condamnée. C'est super joli, c'est super bien aménagé, le sol est praticable sans grosse caillasse. Ah, on dit ça descend tout doucement, on est un peu emporté en fait, bon, ce qui fait qu'on va un peu plus vite, mais bon, attention les genoux quand même. C'est vrai que il y a beaucoup de zones d'ombre. Alors j'étais passé là hier, sauf que j'étais allé tout droit pour récupérer la voiture au parking du panoramique des Dômes. Sauf que nous, il y a les mêmes oiseaux qui chantent aussi fort qu'hier. On va
sur la gauche, col de Cessa et puis Pariou. C'est une très belle forêt. Hein. Et ouais, il y aura surtout beaucoup de plats, quelques petites descentes très légères et c'est seulement sur la fin où ça va commencer à remonter pour rejoindre le col de Cessa. Alors on vient de là. Très joli. Hein. Attention quand même. C'est vrai qu'il y a des petits trous, pour évacuer l'eau, je suppose. Ouais, elles sont marrantes, les petites fougères, là. Alors, on arrive à un croisement. Nous, c'est sur la droite. Bah oui, col de Cessa, 4,1 km. Parking des Goules, 3,4, puis Pariou, 2,8. C'est une très belle forêt. Il y a une magnifique ligne droite qui nous attend jusqu'à la station basse du panoramique des Dômes. C'est super beau. Par contre, c'est plein soleil. Alors on vient de là, effectivement, et puis on passe par là où j'étais passé hier, c'est-à-dire au niveau du parking du Puy de Dôme. Par contre, nous, on va au niveau du col du Cessa. Voilà, quelques belles longues lignes droites en perspective avant la montée finale. Ah, c'est super joli, hein. On a une magnifique vue là. Alors, on traverse une fois encore le panoramique. On a une super belle vue. Là. Ouais, et ce jaune, c'est magnifique. Hein. Quand il est jeûné, il me semble. Je ne savais pas trop. Il y a encore une longue ligne droite qui nous attend là-bas. Il y a des panneaux, bon, de toute façon ça va être indiqué. Col de Cessa, 2,8 km, ancien péage à 930 mètres. Panoramique des Dômes.
Alors, on a traversé la route. Ouais, il n'y a rien de vraiment dangereux. Mais c'est pour aussi montrer la belle forêt. On est sur la boucle des Tomes. Oh, c'est super joli. Hein. C'est super joli. Hein. Voilà, c'est la partie tranquillou. Alors, ouais, peut-être la moitié du temps à l'ombre et puis l'autre moitié au soleil, mais bon, on va voir. J'ai prévu 31 degrés. Bon, pour l'instant, je les ressens pas trop. Alors, on arrive enfin à la bifurcation sur la droite. Oui, c'est le circuit boucle des Dômes. Ça a l'air super bien fléché. Cold, c'est ça. 2 km. Et nous, on va un petit peu sur la droite. Ouais, ça est super beau. On dirait une allée du roi. Une petite vidéo pour immortaliser ces très jolies couleurs. Alors on vient de là, ça commence légèrement à monter. Voilà, un petit peu plus pour le col de Cessa. Ah, c'est vraiment très agréable, les oiseaux qui chantent. Et c'est des tout petits, je crois, en plus. Il reste 700 mètres avant la ligne d'arrivée. Ouais, ça monte tout doucettement. On a eu une très belle diversité de paysages. Oh purée, on a repris le chemin des muletiers ici. Parce que bon, ça grimpe. Bon, jusqu'à l'arrivée, j'avais regardé le dénivelé. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est bon. Je vois pas. Il y a des voitures. Ouais, enfin. Sur la droite. Encore pas de voiture. Une belle côte. Et c'est bon. Ouais, pour un final, ouais, faut contourner tout le parking.